Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur la plage de la Grande Conche à Royan. Royan, terrain de jeu privilégié de tous les sports de plage et en l'occurrence au week-end théâtre des championnats de France de beach ultimate. C'est parti pour 4 heures de direct avec au programme demi-finale et finale féminine, demi-finale et finale open. Et à mes côtés, j'ai le plaisir et le grand bonheur d'avoir un spécialiste de cette discipline, Ludovic Romano, ancien DTN, actuel responsable événementiel à la Fédération, entraîneur de l'équipe de France, entraîneur du club de La Roche-sur-Yon, bref, de multiples casquettes. Et en tout cas, vous êtes totalement habilité à nous délivrer au fil de ces 4 heures les explications sur les subtilités de la discipline. Oui, bonjour à tous. Je vais essayer de faire du mieux possible. Bon. Alors que les joueuses de la demi-finale féminine, car honneur aux dames, nous commençons par le tableau féminin et la demi-finale donc opposant les Jets de Challans en Vendée. En maillot orange qui viennent de prendre place sur le terrain. Donc on va voir la composition, le roster de cette équipe des Jets. Julie Goulot et sa sœur Florine, Elsa Lebrusquet, Rosie Langlois, Elisa Assier, Zoé Durand, Ethanie Rabot, Marie-Lou Gérard, Abigail Debeau, Emma Renaudin. Une équipe relativement jeune. Ludovic. Oui, c'est l'équipe jeune qui vient de remporter le titre U20. Donc là, on va avoir un match entre l'expérience et la jeunesse chez les Jets, quand même encadré par Elsa Lebrusquet, la numéro 13, qui joue depuis très longtemps sur les terrains. Voilà, c'est la doyenne pour les Jets. On va découvrir le roster des favorites de cette demi-finale et de la compétition. L'équipe des Yaka de Noisy-le-Sec, elles sont tenantes du titre. Et elles ont des joueuses d'expérience, au premier rang desquelles la numéro 18, Aline Rasta Mondio. Oui, c'est Yaka, c'est le club qui a le plus de titres en France en féminin. Ils ont 12 titres sur herbe, 2 titres déjà sur le beach. Et puis c'est les tenantes du titre, donc les grandes favorites de cette demi-finale. Mais on va voir si la jeunesse va pouvoir résister au club de Yaka de Noisy-le-Roi. Noisy-le-Sec, Noisy-le-Sec, pardon. Mais voilà, ça reste des Noiséennes. Les Noiséennes qui vont évoluer en blanc. Donc on peut rappeler quand même le. Oui, on va rappeler, c'est important, les quelques règles de base de ce sport, le beach ultimate, qui n'est forcément pas connu de tout le monde, mais on espère que aujourd'hui ce sera l'occasion de faire découvrir au plus grand nombre cette belle discipline. Donc le but du jeu d'abord. Donc le but du jeu, c'est tout simplement de rattraper le frisbee dans la zone adverse, donc en face. Ensuite, c'est des matchs de 40 minutes ou 13 points. Et puis il y a une histoire de cap que je vous expliquerai au fur et à mesure des rencontres, puisqu'on a 4 heures devant nous pour expliquer tout ça. Le vainqueur, ce sera la première équipe à 13 points ou l'équipe qui mènera au score avec 2 points d'écart à l'issue des 40 minutes. 5 joueuses de part et d'autre. On voit les Yaka qui sont d'ores et déjà positionnés dans leur zone d'embut. Voilà, un terrain de 75 mètres en tout, 45 mètres de terrain central, 15 mètres de zone d'embut de chaque côté. Le but, aller donc catcher, attraper le disque dans la zone d'embut adverse pour inscrire un point. C'est parti. Le pool qui est donné par les Yaka. Donc un long pool et le disque donc, qui reste dans les limites du terrain. Donc les Jets qui vont développer l'attaque. Ouais. L'objectif du pool là, c'était évidemment de faire reculer l'adversaire le plus loin possible sur le terrain pour essayer de rentrer en possession du frisbee le plus près possible de la zone. C'est ce qui s'est passé. Il y a une petite erreur des Jets sur le rattrapé du frisbee. On appelle ça un turnover, changement de possession. Turnover, changement de possession. Et voilà. Donc les Yaka qui partaient en phase défensive, qui récupèrent la possession et donc l'attaque quasi immédiatement. Et donc on a le premier point pour les Yaka et donc nous sommes à 1-0. Pour les Yaka, l'engagement était magnifique puisqu'il a atterri seulement à 2 mètres de la ligne du fond. Donc pour les Jets, c'était compliqué de remonter le terrain, se sortir de la pression défensive. Et malheureusement, une petite erreur de manipulation on fait que Yaka a récupéré le frisbee très haut dans le terrain, très proche de la zone et la passe était relativement facile.
Donc là, le pool qui a été donné par les Yaka à nouveau, le disque qui est sorti des limites du terrain. Donc on repart donc en attaque arrêtée. Et là, petit contretemps, c'est un sport, il faut le souligner, qui est autogéré, auto-arbitré et autogéré. Et là, c'est donc une joueuse des Jets qui vient de s'approcher de la table de marque pour tenter de relancer le chrono. Donc, petite explication, là, le pool est sorti du terrain et il y a un point sur le terrain qui s'appelle le brick. Lorsque le pool n'atterrit pas dans le terrain, on peut reprendre de ce point de brick qui permet d'avancer sur le terrain. En fait, le premier geste défensif, c'est le lancement du pool et on doit le faire retomber absolument dans le terrain. Sinon, c'est pénalisé par... on avance sur le terrain d'une dizaine. Voilà, l'équipe adverse, ouais, 10 mètres devant sa zone d'en but, peut repartir de là et a déjà effectué une toute petite partie du travail pour essayer d'aller donc lancer ce disque et l'attraper dans la zone d'en but adverse. Allez, nouveau turnover, l'IAKA qui récupère avec Alexia Chassigneux. Et point pour IAKA de mademoiselle Aman Babikian, je dis mademoiselle parce que c'est la petite jeune de l'équipe. Oui, 18 ans seulement, elle qui pratique déjà quand même depuis 5 ans. Elle a fait ses débuts en UNSS à 13 ans seulement. Donc on peut commencer relativement tôt la pratique du beach ultimate et de l'ultimate en général. Alors oui, en effet, c'est très impliqué, de plus en plus impliqué en milieu scolaire, notamment à l'UNSS, au sport scolaire. Et donc on a beaucoup de joueurs maintenant qui ont débuté dans ce domaine par le sport scolaire, pour ensuite venir dans les clubs et renforcer nos effectifs dans les clubs. Donc c'est le cas notamment de Amine. Voilà, on a du mal à progresser du côté des Jets. On cherche une solution pour avancer. Voilà, la solution elle est offerte par Florine Boulot. Non, là on voit que le vent vient des tribunes en fait. Et il est assez pénalisant, il n'est pas très fort encore, mais il est pénalisant parce qu'il est latéral, donc pas simple à gérer. Et puis on voit que pour l'instant, les Jets ont un peu de mal à se démarquer. Et la difficulté pour faire progresser le frisbee. La discussion, là voilà, on le disait, auto-arbitrage. Hein, les joueurs appellent les fautes qu'ils décèlent ou qu'ils croient déceler. Et après, on discute dans la bonne humeur, très posément pour... voir si la faute est reconnue ou contestée. Donc, il y a une discussion entre Emma Renaudin et Alexia Chassagneux sur un contact au moment de l'appel. Et apparemment, Alexia se rétracte. Donc ça veut dire que Emma devrait rentrer en possession du frisbee. Alors ça fait partie de notre activité, hein, d'avoir des temps, un petit peu des temps morts par rapport à la discussion du règlement, puisqu'il n'y a personne qui prend les décisions à notre place. Que chaque joueur... se régule sur les règlements et donc voilà, les gestes, faute non appelée avec un turnover puisque la personne s'est rétractée sur son appel. Ouais, Jeanne Delavallée pour la première passe pour les Yaka. Allez, on est tout près de la zone d'en-but adverse. Et vous voyez que c'est de plus en plus dense et il est difficile de trouver des solutions puisque il y a moins d'espace sur le terrain. Voilà, dans le petit périmètre, les défenseurs, j'imagine, peuvent plus rapidement aller au contact rapproché. Alors pas au contact totalement, hein, parce que ne doit pas toucher l'adversaire autant que faire se peut. Et c'est le troisième point déjà pour l'IAKA qui se détache d'entrée dans cette demi-finale. On va pas se le cacher, hein, pour l'instant, les filles des Jets... elles sont championnes de France U20, elles n'ont pas encore l'expérience de IAKA. IAKA, c'est vraiment la grosse équipe féminine de l'ultimate. Oui, avec cette joueuse, hein, qui s'apprête à effectuer le pool, Aline Mondiaux. Une des références dans le monde du beach ultimate féminin. On peut rappeler que IAKA, en termes d'expérience, c'est vraiment impressionnant puisqu'elles ont réussi à obtenir 2 médailles de bronze au championnat d'Europe des clubs en 2017-2019. C'est 12 titres de champion de France extérieur. Donc voilà, c'est des filles qui se préparent aussi pour aller à Bruges la semaine prochaine faire le championnat d'Europe. Donc elles sont en pleine préparation. Elles ne sont pas nombreuses aujourd'hui, mais la semaine prochaine, elles seront 21 pour essayer d'obtenir la médaille. Donc voilà, c'est normal que les Jets soient un peu en difficulté. Elles n'ont pas la même expérience,
pas le même âge. Elles ont du mal à défendre, elles ont du mal à bloquer l'avancement. Alors, là, il y a eu un pic qui était appelé, un écran, pour les gens qui sont habitués au basket. L'appel a été à nouveau rétracté, donc du coup le point a été validé. Le point est accordé, et 4-0 pour cette équipe des Yaka de Noisy-le-Sec. Yaka, parce que quand elles ont créé le club en 2005, et c'était en fait Yaka se lançait dans ce beau projet. Et une quinzaine d'années plus tard, effectivement, elles ont glané de nombreux titres et elles vont participer prochainement à leur quatrième championnat du monde. Et voilà vraiment le club phare chez les féminines en ultimate. Mais ça a été tout simplement les pionnières à créer vraiment une section féminine. C'est-à-dire que les clubs étaient mixtes, les garçons jouaient avec les filles. Et le Yaka, donc le club Disney Good, a créé une section féminine avec donc ce nom d'équipe Yaka lancé, et qui est resté Yaka. Voilà, là on voit que les Jets arrivent à un peu mieux s'organiser. Et on sent que les filles ont quand même du mal à se démarquer face à l'expérience. On peut remarquer que Yaka cherche à faire lancer. Ouais. Plutôt au milieu du terrain, on appelle ça une force modèle. Elsa cherche un jeu long qui est malheureusement intercepté, donc turnover. Et les filles de Yaka vont pouvoir poser tranquillement leur attaque. Alors il y a des postes à l'ultimate. Il y a des postes. Voilà, il y a une spécialisation quand même. Là, quand on est prof fan, comme je le suis, hein, je l'avoue, on peut avoir l'impression que tout le monde court dans tous les sens, mais il y a vraiment une organisation. Et puis j'imagine des combinaisons offensives aussi qui sont peut-être mises en place à l'entraînement. Oui, oui, bien sûr, on a des stratégies comme dans tous les sports collectifs. Donc ce qu'on peut déjà noter tout simplement, c'est qu'il y a des gens qui manipulent le frisbee, qui sont plutôt en arrière du terrain pour chercher à lancer sur les autres. On appelle ça des handlers. Et puis on a des gens qui sont plutôt coureurs, qui cherchent à se démarquer, à faire progresser le frisbee sur le terrain. Et on appelle ça des middle. Des middle. Des milieux relayeurs. Exactement. Et des arrières qui sont un peu les meneurs de jeu, qui cherchent la première solution à lancer la séquence d'attaque en fait. Exactement, et c'est les gens qui sont un petit peu plus à l'aise techniquement avec le frisbee, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est pas si simple que ça de lancer le pool un enjeu. Géré par Zoé Durand. Mais tout de suite, hein, la grosse pression défensive des Yaka là, qui monte sur leur adversaire respectif. Alors là, vous voyez, il y a une orientation de Heinleborn qui cherche à tout simplement empêcher le frisbee à aller vers l'avant. On appelle ça une force straight up. On ne cherche pas à orienter le frisbee, le lanceur, vers un côté du terrain, ce qui sera produit très, très fortement plus tard. Mais là, on cherche tout simplement à ne pas le faire progresser vers l'avant pour faire multiplier les passes derrière et que les Jets aient du mal à avancer sur le terrain. Alors là, pour l'instant, on cherche du jeu long, ça n'arrive pas à sa destinataire. Le jeu long, pour l'instant, manque de précision. Elles n'en ont pas forcément besoin, d'ailleurs, pour l'instant, puisqu'elles arrivent à se démarquer sur les côtes, les appels, un cut, on appelle ça un appel vers le porteur du frisbee. Ça manquait un petit peu de précision, mais la solution était là, quand même. Interception d'Alexia Chassagneux et passe vers la destination d'Aman Babikian, qui est déjà son troisième point, je crois. Voilà, là on avait une force middle, c'est-à-dire que les Yaka cherchent à concentrer le jeu vers le milieu du terrain et les défenseuses qui sont justement, qui prennent les middle, restent au milieu du terrain pour chercher à intercepter, ce qu'a fait brillamment Alexa Chassagneux sur cette action. Et puis après, le turnover, la contre-attaque est rapide. Les Jets n'ont pas eu le temps de se repositionner sur le terrain pour défendre correctement. L'engagement, voilà. Ça va très loin, effectivement, ça laisse on est à 6, tout le temps au Yaka. Ouais, on est à 6-0. De monter en défense. Voilà. Donc là, ça, en effet, ça va très vite. Hein. Les Jets ont un petit peu du mal à offrir l'opposition. Même si de point en point, on sent qu'elles progressent dans le match puisqu'elles conservent plus longtemps le frisbee. Elles arrivent à avancer de façon plus régulière sur le terrain. Voilà, je pense qu'elles ont été un petit peu cueillies à froid, c'était compliqué. Pression, la télévision, une demi-finale en beach. On et sait voilà, que les Yaka étaient favoris. Un risque qui échappe à Abigail Deveau. Les Yaka et Aline Mondiaux qui vont reprendre la possession du disque. C'est vrai que le score est un peu cruel, mais effectivement du mieux. On propose et on trouve davantage de solutions du côté des Jets, sans que ce soit encore validé, concrétisé par le score d'un point.
Et là, les points qui défilent en revanche un septième en point. Faveur des IACA de Noisy-le-Sec. Donc réception de Hein Le Borgne, numéro 52, et sur une passe de Aline Mondio dans le break. Vous avez vu que l'équipe de IACA utilise beaucoup plus la largeur que l'équipe des Jets et donc s'offre beaucoup plus de possibilités. J'avoue que jusqu'ici ça m'avait un petit peu échappé, mais maintenant que vous me le signalez, je vais m'attacher à regarder ce point du jeu. Ah oui, un autre point de règlement, donc 5 joueuses ou joueurs sur le terrain, et entre chaque point on peut tourner des joueurs qui sont spécialisés davantage sur les phases défensives, d'autres sur les phases offensives, où chacun peut... Alors, un bon joueur s'acquitter de toutes les tâches. Est en capacité de faire les deux rôles, évidemment. Mais c'est vrai qu'à haut niveau, il y a plusieurs équipes qui s'organisent avec des squads, des équipes défensives et des équipes offensives. Voilà, c'est le choix de la stratégie des entraîneurs et puis du groupe en général. Là, on n'a pas des effectifs suffisamment grands pour réellement s'organiser comme ça, même s'il y a des gens qui ont des préférences. Voilà. Qui n'a pas pu assurer cette passe. Là, on peut observer sur le plan que vous avez les deux handlers qui sont derrière dans la manipulation. Là, et Yaka qui cherche à vraiment utiliser toute la largeur du terrain. Elles sont forcées à jouer vers les tribunes. Et vous voyez, par le déplacement des handlers et aussi par les courses, elles vont chercher à venir côté caméra. Exactement, c'était ça qui était cherché. Malheureusement, le catch, le rattrapé du frisbee n'a pas été complété. Mais vous avez vu l'intention tactique. On nous pousse à jouer d'un côté. Et en contrepartie, les attaquants cherchent à évidemment élargir le jeu et à jouer de l'autre côté. Côté, le plongeon de Zoé Durand, est-ce que ça a suffi? Est-ce qu'elle a évité au disque de toucher le sol? Avec un petit ralenti, est-ce qu'on va pouvoir juger si elle a réussi à rattraper le frisbee juste avant que le disque touche le sol, ou si malheureusement... Alors ça, c'est une question qui n'est pas évidente parce que c'est une question de temporelle et c'est pas toujours simple de pouvoir juger. Voilà, au niveau du ralenti. La chance de bénéficier du ralenti, pas évident sous cet angle de voir si le frisbee touche le sable. Là, pour le coup, que Zoé Durand réussi à s'en saisir. Pour le coup, c'est difficile de se prononcer avec cet angle-là. Moi, j'ai la sensation... Là, on a le bon angle. Ah, clairement, elle l'avait dans les mains avant de toucher le sol. On peut pas... Alors, il n'y a pas de vidéo. Oui, malheureusement, les joueuses qui, donc on le répète, s'auto-arbitrent, ne disposent pas de cet outil du ralenti. Et dans ces cas-là, quand on ne sait pas, on en repart à l'action précédente. Exactement, on revient à la passe précédente. Comme ça, il n'y a pas de désavantage ni pour l'une ni pour l'autre équipe. Et puis voilà, après, à l'équipe de se remettre en situation pour essayer d'avancer sur le terrain et d'aller marquer le point. Malheureusement, là, il n'y aura pas de contestation ou de discussion possible. Non. La passe Telsa Le Brusquet a atterri dans le sable. Telsa Le Brusquet, qui est aussi la présidente du club des Jets de Chalon. Oui, alors, en Vendée. Le club de Jets de Chalon, il a une histoire puisqu'il a été créé en 1991 à Notre-Dame-de-Mont, toujours en Vendée. Et puis, il a déménagé en 2012 à Chalon. Un peu comme les franchises NBA. Voilà. Toute proportion gardée. Pour évidemment. Des questions de structure, pour des questions de personnes aussi, pour éviter de limiter un petit peu les déplacements. Et puis 2012, donc depuis 2012, c'est les Jets de Chalon, mais la famille Le Brusquet était déjà au club de Saint-Jean-de-Mont, tout simplement. Ouais, Le Brusquet, troisième des championnats du monde mixte. Ici même à Royan, en 2017, ça avait été une énorme organisation aussi et un gros coup de projecteur pour l'ultimate français. Oui, donc 2017, on a eu la chance d'accueillir les championnats du monde de la Fédération mondiale. On avait plus de 120 équipes, 7 catégories. Il y avait pratiquement plus de 1500 joueurs sur une semaine ici à Royan. Alors c'était vraiment une fête magnifique organisée par différentes personnes. Et ça a permis aussi de développer l'activité, notamment sur Royan, et d'obtenir d'année en année un tel championnat de France organisé de main de maître par maintenant Jean-Marc Audouin. Magnifique fête et le soleil qui semble vouloir se mettre lui aussi de la partie. On a essuyé deux ou trois beaux grains dans la matinée, mais même une grosse pluie, ça n'est pas un motif d'interruption, et les malheureux joueurs étaient trempés mais continuaient à nous produire du beau spectacle. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais les championnats de France de Beach Ultimate ce week-end, c'est
les catégories open et les catégories féminines. En féminine, on a deux divisions. Et en catégorie open, on avait trois divisions. Donc il y a près de 900 joueurs sur la plage ce week-end, ce qui n'est pas rien. Il y a 13 terrains. C'est vraiment une grosse organisation. Voilà. Alors que la logistique avec bien sûr l'appui de la municipalité de Royan et puis beaucoup de bénévoles, parce que ce sont essentiellement des bénévoles qui œuvrent pour la fédération et pour la réussite de l'organisation de ces championnats de France. Donc, féminin et open. Dans chaque match, chaque équipe a la possibilité d'appeler un temps mort d'une minute. C'est le cas là. Lorsque vous êtes en possession du frisbee, vous pouvez récupérer, replacer quelques points tactiques en place. C'est vrai que là, les Jets, malheureusement, elles ont vraiment des grosses difficultés dans l'entame de match. Mais j'espère qu'elles vont pouvoir corriger cela pour réussir à marquer quelques points tout de même. C'est vraiment les Jets, hein, vous voyez, mis à part Elsa qui a une très grosse expérience, le reste de l'équipe, c'est des gens qui sont... 14 ans pour Ethanie Rabot, voilà. 16 ans pour Marie-Lou Gérard, voilà. 18 et 19 ans pour les sœurs Julie et Florine Goulot, 19 ans pour Rosie Langlois. Effectivement, une équipe en devenir. Nul doute que dans quelques années, elles donneront davantage de fil à retordre à ce club référence de l'ultimate féminin, les IACA de Noisy-le-Sec. Voilà, allez, est-ce que ce temps mort leur aura permis d'échafauder une tactique pour aller scorer leur premier point? C'est tout ce qu'on leur souhaite. Donc voilà, là vous allez voir que très certainement IACA va proposer une défense en forçant d'un côté, plutôt vers les caméras, à l'opposé des tribunes. Et vous voyez que les joueuses empêchent les cuts vers l'intérieur, vers le porteur du frisbee. Du coup, c'est très compliqué de lancer, de se démarquer. Et là, une réception magnifique. Jolie réception, oui, de Zoé Durand. Et le point, le voilà, le premier point des Jets, chaleureusement applaudi d'ailleurs par les IACA aussi, hein, c'est vraiment révélateur aussi de l'esprit qui anime les joueurs et joueuses de l'Ultimate. Donc là, elles ont réussi à contourner la défense puisqu'elles ont proposé du jeu fuyant. Les IACA les empêchaient de venir vers le frisbee, donc les Jets intelligemment sont partis vers la zone et les deux passes ont été réalisées de façon magnifique pour avoir un jeu fuyant et donc conclure le premier point des Jets. On est content pour elle parce que c'était un petit peu compliqué quand même l'entame de match. Voilà, on est content qu'elle relève la tête. Le temps mort a été efficace. Ouais, le temps mort qui a porté ses fruits tout à fait. Et le pool donc qui va être effectué par Rosie Langlois. Les IACA qui vont repartir en attaque. Alors quand on parle de Rosie, on est obligé de faire une petite dédicace au papa qui est l'un des coachs des Jets, Loïc. Puisque ça fait des années qu'il œuvre et il a d'ailleurs joué au club d'Isno à l'époque. Donc voilà, l'Ultimate c'est encore pour l'instant une histoire de famille. On n'est pas très nombreux, même si on va atteindre certainement les 5000 licenciés en fin d'année. Mais voilà, il y a des histoires des familles, des enfants, des parents. Vous verrez peut-être dans les matchs futurs des enfants qui jouent avec leurs parents. Donc voilà. Et là, superbe, hein, superbe ce plongeon, cet envolé d'Alexia Chassigneux pour le 8e point des IACA. Alors l'avantage de cette surface, puisque l'Ultimate se joue sur les trois surfaces, la salle, le beach et en herbe, l'avantage de cette surface c'est qu'on peut plonger évidemment sans se faire mal. Et les joueurs adorent cette surface parce qu'ils peuvent y aller à cœur joie. On a clairement davantage envie de plonger dans le sable, voilà, que sur un Donc un comme tout à l'heure, là les Yaka un jason un peu dur cherchent à empêcher la progression du frisbee. Vous voyez, elles ne se rapprochent pas trop des lanceuses, mais par contre elle les empêche clairement en tendant les bras de face à ne pas orienter de jeu long. C'est le Brusquet là qui a trouvé une solution avec Zoé Durand. On repasse par Elsa Le Brusquet. Donc le porteur du disque, à partir du moment où un défenseur arrive et démarre le compte, n'a plus que 10 secondes pour se débarrasser, enfin éviter de se débarrasser, mais passer le disque à un ou une partenaire. Exactement, Hélène, c'est le défenseur qui compte sur la personne qui a le frisbee et elle a 10 secondes pour envoyer le frisbee à son partenaire. Donc voilà, là on voit que les Jets progressent de point en point. Je trouve qu'elles conservent beaucoup plus le frisbee, elles arrivent à mieux utiliser la largeur
du terrain. Le terrain fait que 25 mètres. C'est un sport un peu particulier parce que les proportions du terrain sont... C'est un terrain très long. De large, 25 mètres de large. Donc du coup, il est primordial puisque vous voyez que là, par exemple, Aline défend. On a tout un côté du terrain qui est bloqué, même si là, Elsa a réussi à breaker, donc à casser la force que proposait Aline sur le terrain. Et donc, beau break pour le point de Ethany Rabot. La Benjamin de cette équipe des Jets de Chaland. Et les Vendéennes qui vont donc à nouveau effectuer le pool. Pas beaucoup de changements dans cette équipe de Yaka qui s'est présentée avec un roster assez réduit, hein, 8 joueuses seulement. Est-ce que peut-être physiquement sur la longueur de la compétition ça peut avoir une incidence? Ça pourrait, mais je pense que sur les matchs de poule, puisque il y avait une poule de 5, une poule de 4, sur les matchs de poule elles ont quand même pas mal de marge, donc je pense qu'elles n'ont pas physiquement puisé dans toutes leurs ressources. Et puis il faut, voilà, comme je le disais tout à l'heure, leur objectif clairement c'est la semaine prochaine, aller essayer de gagner une 3e médaille européenne en tant que club, ce qui serait magnifique. Elles partiront à 20 ou 21. Donc voilà, il y en a quelques-unes qui ont préféré se préserver. Quelques cadres au repos peut-être, dans la perspective effectivement de ces championnats d'Europe. Et puis pour les autres, c'est une belle séance d'entraînement pratiquement, de préparation, de répétition générale. Faut pas même si ce sera de l'ultimate cette fois et pas du beach ultimate. Oui, ce sera de l'ultimate, ce sera sur herbe. Donc, alors, 7 joueuses sur herbe, mais les principes fondamentaux restent les mêmes. Oui, la logique du jeu reste la même. Évidemment, les déplacements sont différents. C'est bien plus facile de courir sur l'herbe que sur le sable. Mais mis à part le... Oui, alors l'intérêt d'ultimate, c'est 100 mètres par 37. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Avec des zones de 18 mètres. Là, vous voyez que le vent a forci et les Yaka ont un peu plus de mal. Il a changé un petit peu de direction. Il est trois quarts, là, les fils de Yaka l'ont trois quarts de face. Et dès qu'on lance un frisbee un petit peu trop avec le vent de face, il a tendance à monter et ça a manqué de précision. Bon rattrapé en bord de ligne. Là, la difficulté, vous voyez, elle est bloquée. Elles sont bloquées, les Jets sont bloqués sur la ligne. Il faudrait qu'elles réussissent à utiliser la largeur pour pouvoir se débloquer de cette ligne, parce que ça va être compliqué d'avancer. Apporter un soutien, mais on est toujours là-bas, ouais, sur cette ligne. Voilà, là, la logique du jeu, ça serait de sortir de cette ligne, d'aller jouer dans la largeur. Elles ont du mal, hein. Vous voyez Jeanne qui bloquait le jeu. Et belle défense d'Aline Mondiaux, parce que on peut anticiper. On sait que le joueur, naturellement, va avoir tendance à envoyer sur cette ligne. Donc du coup, on se place entre son joueur et cette ligne et on défend cette partie de terrain lorsqu'on n'est pas sur le porteur du frisbee. On repart de la ligne de touche pour les Yaka. Aline Mondiaux qui appelle un temps mort tout simplement. Là, je pense que le point était un petit peu long, donc c'est le moment de récupérer. Elles ont besoin de souffler un peu. En plus, elles ont le frisbee au milieu de terrain, donc ça, plus vous gardez le milieu de terrain, plus c'est simple. On l'a vu tout à l'heure, elles étaient coincées sur la ligne, très compliqué, puisqu'on est forcé à jouer encore de ce côté-là. Là, elles ont la possession du terrain, du frisbee pratiquement au milieu du terrain, donc elles vont pouvoir placer une tactique, une stratégie, que je vais essayer de vous expliquer, si c'est suffisamment lisible pour moi. Le vent s'est renforcé un petit peu, je ne sais pas si vous le sentez, Hélène. Un petit peu, mes fiches qui s'envolent me le rappellent un peu cruellement parfois, mais et donc du coup, effectivement, on voit les drapeaux là, qui façaillent dans le vent sur cette plage de la Grande Conche à Royan. C'est quand même bon signe, ça veut dire que la pluie est partie et qu'on risque d'être tranquille. À choisir, mais voilà, si le vent peut nous chasser les gros nuages noirs qui nous ont accompagnés une partie de la matinée, ça ne serait pas de refus. Voilà, fin du temps mort. Le disque dans les mains d'Italine Rasta Mondiaux. Alors là, comme ça, on a du mal à comprendre pourquoi, mais elle a eu des red locks pendant une longue période. Oui. Au début de sa carrière, elle a eu des red locks, on l'appelle Rasta. Donc là, si on voyait, les filles se sont mis, on appelle ça un stack à plat. Elles ont occupé toute la largeur du terrain pour se retrouver réellement en un contre un.
Et elles ont pu réaliser facilement les deux premières passes. Après, c'est un petit manque de précision sur la dernière, mais l'association était là. Tentative. On repart vite en attaque, hein, voilà. Du côté des Jets. Là, on sent que les Jets sont bien plus psychologiquement dans le match. Elles osent, ce qui n'était pas le cas au début. On le rappelle, hein, c'est normal, elles sont jeunes. C'est leur première demi-finale de beach. Voilà, attention du jeu long possible. Magnifique lancé d'Elsa. Est-ce que ça va être rattrapé? C'est un tout petit peu long. Dommage, ça échappe à Emma Renaudin. Légèrement trop long. Le vent, encore une fois, a joué puisqu'il a emporté le frisbee un petit peu trop loin. Elle avait vent dans le dos. Il fallait réussir à calibrer un petit peu plus cette passe. Malheureusement, jeu trop long. Les Yakas sont encore sur un stack à plat pour se démarquer. Vous voyez, on a des duels hein, sur le terrain. On est vraiment en 1 contre 1. Le jeu, c'est chercher à se démarquer. Jeu long à nouveau. Celui-là, il est calibré magnifiquement. Oh là là. Petite erreur de réception. Erreur bien provoquée hein, par Rosie Langlois. Exactement. Qui a touché le disque, qui l'a légèrement dévié. Et ça suffit pour que son adversaire ne puisse pas assurer son catch. Alors là, petit manque de précision aussi. Oui, c'est normal. Le point est long. On se rappelle, on est quand même sur le sable. Je sais pas si vous avez déjà couru dans le sable, Hélène. J'ai fait un peu de beach volley. Alors on court moins, mais on saute aussi. Et je vous confirme que c'est physiquement extrêmement exigeant. Et rien d'étonnant qu'après 27 minutes déjà de jeu, ces dames et demoiselles accusent un peu le coup physiquement. Et là, on voit toute l'expérience entre Alexia Chassigneux et puis Aline Mondio. Aline a commencé un appel dans ce qu'on appelle dans le côté ouvert. Elles se sont regardées tout de suite. Il y a eu une petite feinte d'Alexia pour aller jouer dans le côté fermé. Et puis la défenseuse des Jets n'avait pas la possibilité de prendre les deux côtés du terrain. Il fallait faire un choix. Et Alexia a magnifiquement breaké, donc cassé la force de sa défenseuse pour aller jouer dans la partie ouverte du terrain. Et le catch, du coup, pour Aline était relativement très facile pour son niveau. Donc voilà, on a assisté au 9e point de Yaka. On rappelle, premier arrivé à 13, fin du match. On est à 27 minutes. Peut-être que les Jets vont réussir à atteindre quand même le temps de 40 minutes. Franchement, elles font vraiment une meilleure deuxième partie de match. Hein. L'opposition est bien plus forte. Et pour le coup, leur jeunesse et leur fraîcheur physique devient un atout au fur et à mesure que les minutes s'égrènent dans cette demi-finale des championnats de France de Beach Ultimate. Julie Goulot pour Ethany Rabot. Voilà. On repasse par Julie. Julie a clairement le poste de handler dans cette équipe. Là, elle est derrière, c'est elle qui manipule, qui a réussi à faire un joli lancer relativement long en plus dans le break. Là, la difficulté, c'est sortir de la largeur. À nouveau, encore une fois, vous voyez Elsa avec toute son expérience qui réussit à jouer dans le côté fermé. Et du coup, le défenseur de Yaka ne peut pas être en position d'intercepter. Point pour les Jets. Voilà, donc c'est vraiment important quand on défend sur le porteur du frisbee de chercher à orienter d'un côté le jeu et surtout à limiter les passes vers le côté où on cherche à ne pas jouer. Là, on a eu deux passes consécutives dans le break. Pour la personne qui défend sur le non-porteur du frisbee, sur le coureur, c'est pratiquement impossible à défendre. Donc, comme on l'a dit depuis le début, les Jets prennent de la confiance. Physiquement, en effet, elles vont être de mieux en mieux parce qu'elles sont plus et un peu plus jeunes. Donc voilà. Est-ce que les Yaka, par leur expérience, vont réussir à tenir? Aline Mondio qui cherche à jouer long. Oh, c'était magnifique. Malheureusement, tentative de catch à une main. Je pense que Alexia se reproche de ne pas avoir essayé de rattraper le frisbee à deux mains, tout simplement. Voilà, pour assurer la prise, la réception, vraiment, éviter que le disque ne vrille et ne vous échappe. Alors devant vos écrans, ça paraît facile, mais il y a du vent, il y a le soleil dans les yeux aussi parfois. Donc c'est pas toujours si simple que ça de rattraper un frisbee avec la vitesse. Interception d'Aman Babikian, les Yaka qui repartent en séquence d'attaque. Et là, le vent aussi hein, qui fait s'envoler le disque plus que ne le souhaitait Aline Mondio. Nouveau turnover. Autour des Jets d'attaquer. Voilà, les Jets jouent beaucoup plus sur la largeur.
Elles arrivent à bien mieux se démarquer. Du coup, il y a de la continuité dans leur jeu. Plus le jeu, plus le frisbee passe de main en main, plus la défense a du mal à s'adapter, évidemment. Donc voilà, magnifique passe sur, impeccable, elle a... sur Florine Goulot qui était complètement démarquée. Et là, il va falloir à nouveau rejouer dans la largeur parce que sinon, on va se faire comme tout à l'heure, coincer le long de la ligne et c'est beaucoup plus complexe. Turnover malheureusement. Voilà, vous voyez, Yaka tout de suite qui cherche à jouer dans la largeur. C'est vraiment stratégiquement un petit peu différent. Audrey Chon, l'ancienne joueuse du PUC, hein, qui a donné naissance à un petit bébé en mars seulement et qui fait son retour sur les terrains. Voilà, 10e point pour Yaka. Voilà, la bonne prise de disque d'Aman Babikian. Je trouve que par rapport à l'âge d'Aman, l'expérience qu'elle a, je la vois jouer parfois en position de handler. On voit que c'est son 4e point, je crois, du match. Elle a des grosses capacités pour se démarquer en zone. C'est une joueuse qui, dans les années à venir, qui devrait être très complète et qui devrait encore porter fièrement les couleurs de Yaka vers le haut niveau international, clairement. Là, on assiste à l'engagement. Le coup pour Jeanne Delavallée. Voilà. L'objectif, clairement, c'est de faire repousser l'équipe adverse le plus loin possible. Et puis, par rapport au côté où on a choisi de faire envoyer l'adversaire le frisbee, essayer de le placer aussi sur le côté du terrain pour tout de suite les enfermer sur une des deux lignes. Ça sert de ce pool, cet engagement, pour orienter le jeu déjà comme on le souhaite. Pour se donner le temps aussi de remonter tout le terrain, hein, parce qu'au moment de l'engagement, les deux équipes sont chacune sur leur zone d'en-but et donc la défense doit traverser les 45 mètres du terrain central pour aller marquer exactement ses adversaires. Ah, elle s'en veut, là, Elsa le brusquet. Oui, parce que comme le point tout à l'heure, elle a cherché à jouer, à casser la force, à jouer dans le côté fermé, sauf que là, si on observe, le vent devient de face, il forcit. Et tout de suite, il s'est... Ouais, les deux passes précédentes étaient magnifiquement ajustées. Et là, clairement, la rafale qui emporte le disque. La solution, c'était la bonne. Malheureusement, la réalisation technique a été loupée. Donc là, on voit à nouveau les Yaka qui sont situés en stack à plat. Et vous voyez clairement les duels sur le terrain en 1 contre 1 pour chercher à se démarquer. Alors vous ne le voyez pas à l'image, mais... Voilà, on multiplie un peu les fausses pistes, les contre-pieds, les changements d'appui pour essayer de se débarrasser au maximum de la présence de son défenseur. Et voilà, tout de suite... Ouais, elles s'en sortent bien sur ce coup. Ouais. Pas malheureuse, les Yaka et Mathilde Lemercier. On a failli avoir une belle interception des Jets, malheureusement. Alors, c'est un sport où on cherche à éviter le contact, hein, puisqu'on est en auto-arbitrage, c'est écrit dans le règlement, il doit y avoir absence de contact. Donc là, on a vu peut-être que la joueuse a eu peur de rentrer en contact avec son adversaire, et elle s'est un tout petit peu retenue. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas réussi à faire l'interception. C'est une compétition, mais on privilégie en toutes circonstances le respect des règles, le respect de l'autre. Voilà, ça fait partie des belles valeurs que véhicule l'Ultimate et le Beach Ultimate. Voilà, un pool relativement long puisqu'elle a le vent de face d'Aline où elle a tout de suite orienté le jeu d'un côté du terrain. Joli catch de Rosie Langlois. Voilà, il y a du mouvement dans le jeu des Jets. Belle séquence offensive. Emma Renaudin, voilà, qui repasse avec Rosie Langlois. C'est dommage, elles arrivent à recentrer un tout petit peu le frisbee, mais il n'y a pas de continuité. Malheureusement, elles n'arrivent pas à utiliser la largeur complète du terrain et elles se font systématiquement bloquer sur cette ligne côté tribune. Et du coup, c'est compliqué. Alors là, il y a une faute appelée. Interception, puisque... oui, faute appelée. Oui, je vois. Donc la faute. Là, on discute un peu, hein. Anne Le Borgne qui n'est pas Florine, tout à fait d'accord. Florine Goulot appelle une faute et Anne Le Borgne nous a fait le geste
qu'elle a accepté la faute. Donc Florine va conserver le frisbee. Voilà, après discussion. Voilà, et on repart à zéro. Elle accepte. Voilà, Anne Le Borgne, hein, qui est aussi membre de la fédération, hein, de la commission féminine, justement. Une communauté où les cadres de la fédération sont souvent aussi joueurs. Oui, ben. C'est-à-dire quand on a la passion d'un sport chevillé au corps, ben voilà, on s'investit à l'entraînement et puis on s'investit aussi dans les instances fédérales pour permettre bêtement à des événements comme celui-ci d'exister, entre autres. Donc c'est vrai que la commission féminine a créé d'ailleurs des pages spécifiques sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez les rejoindre et puis suivre toute l'actualité de cette commission pour essayer de développer le sport féminin et notamment l'ultimate frisbee. Oh, magnifique. Magnifique le plongeon là d'Aman Babikian. Magnifique 12e point de Yaka, donc un lancer semi-long en coup droit puisqu'on n'a pas parlé des coups. Donc je vous décrirai au fur et à mesure de la journée les différents coups. Voilà, coup droit ou revers et upside. Par-dessus la tête. Par-dessus, tout à fait. Voilà. Tout à fait. J'ai travaillé un peu. Bon, ça ne suffit pas hein, effectivement pour maîtriser vraiment toutes les subtilités, mais donc là on a c'est suffisant pour se rendre compte que c'est Aline Mondio qui a réussi à faire un magnifique très beau sport. Coup droit le long de la ligne et puis Aman Babikian qui a réussi un superbe rattrapé, superbe catch en plongeant, en divant. Voilà, on a beaucoup de termes anglophones puisque notre activité est beaucoup jouée aux États-Unis. Avec une ligue professionnelle qui existe, même semi-professionnelle, voilà. aux États-Unis. Avec quelques joueurs français qui ont tenté l'aventure là-bas. On a plusieurs joueurs français qui ont rejoint le club de Montréal. Et puis, là, c'est une ligue nord-américaine. Voilà, exactement. Voilà. Comme toutes les ligues professionnelles de sport, professionnelles américaines. Il y a qu'à là en bonne position pour conclure peut-être. Voilà. Ce match. Et voilà, c'est chose faite. 13 à 3, un score un peu sévère, mais clairement les Yaka une classe au-dessus, hein, encore par rapport à cette jeune équipe des Jets de Chaland. Voilà, les filles de Noisy-le-Sec, donc première qualifiée pour la finale. La finale qu'on verra tout à l'heure à partir de 14h pour. À 14h, c'est ça. 14h, la finale féminine. Hein. Tout de suite, ou dans quelques instants du moins, on va voir une demi-finale en catégorie open. Alors, c'est pas tout à fait les masculins, mais pas loin, car même si dans les textes des filles, enfin tout le monde peut participer à de l'open, à ce niveau de compétition, ce sont souvent les équipes constituées à 100% de deux garçons qui officie, qui évolue. Et donc en opposition, on aura le club de Frislis, Versailles, contre le club de Ré Flying Oster, le club de l'île de Ré. Les huîtres volantes. Exactement. Donc, on a aussi du travail de la recherche sur les noms des équipes en Beach Ultimate. Voilà, ça reste très fun, ça reste ludique, un esprit super sympa En tout cas, donc, est-ce que vous allez tenter, Ludovic, d'aller interviewer peut-être je vais essayer. Une des protagonistes de cette demi-finale? De toute façon, il faut attendre parce que là, c'est un des rituels aussi que je découvre. Donc le rituel de fin de match, c'est que les deux équipes se regroupent et vont chercher à débriefer sur la question de l'auto-arbitrage, puisqu'on ne l'a pas précisé, mais à chaque tournoi, il y a un prix de l'esprit du jeu qui est remis avec chaque équipe évalue son adversaire selon une grille bien précise et des items qu'on pourra décrire par la suite. Donc voilà, à chaque fin de match, c'est ce que vous voyez, on appelle ça le cercle, le huddle, où on débrief d'un point de vue du règlement, ce qui s'est passé sur le terrain. Voilà, je vais m'équiper, je vais aller essayer d'avoir une interview de Aline Mondo, la capitaine. La capitaine, la maître à jouer de cette équipe des Yaka de Noisy-le-Sec, qualifiée pour la finale. Les matchs se poursuivent sur les... Voilà, Ludovic Romano donc qui se lance pour recueillir les impressions d'une des joueuses vainqueurs. Mais voilà, il faut attendre nécessairement à la fin de ce cercle, de cette ronde. Ça fait partie
des rituels et du très bon esprit qui anime vraiment, qui constitue les valeurs essentielles du Beach Ultimate, une discussion posée, souriante entre les adversaires où on débrief posément, on se dit ce qui a bien fonctionné, ce qui a été sympa, ce qui l'a été un peu moins, et on s'applaudit assez chaleureusement. Voilà Ludovic qui tente une approche mais qui laisse les joueuses hein, évidemment savourer un peu. Puis ouais, on n'a pas tout à fait fini avec ce cercle. Ok, elles n'ont pas encore tout à fait terminé le cercle puisqu'il y a une équipe qui prend la parole, puis en général c'est l'équipe qui est perdante qui prend en premier la parole, puis c'est la capitaine de l'équipe vainqueur qui prend la parole et qui va préciser quelles notes elles vont attribuer pour l'esprit du jeu. Donc voilà. Là, c'est... D'accord, il y a une note sur l'esprit du jeu, une note sur chaque match, et au bout de la compétition, au bout du tournoi, on fait la moyenne des notes obtenues par chaque équipe, et celle qui a le score le plus élevé se voit décerner donc ce trophée de l'esprit du jeu qui est très important hein, en Beach Ultimate. D'ailleurs, je crois qu'on le remet après les trophées sportifs purs. Exactement, Hélène. Donc il y a deux trophées lors de la remise des cérémonies. Il y a le trophée du champion sportif, évidemment. Mais il y a aussi, ce qui nous tient fortement à cœur, le trophée de l'esprit du jeu qui sera déterminé donc, par des notes et une grille d'évaluation avec 5 items, notamment les fautes, la communication, l'état d'esprit sur le terrain. Voilà, ces items-là nous permettent d'évaluer l'équipe adverse. Et au fur et à mesure, on a une moyenne qui apparaît et l'équipe qui a la meilleure moyenne va... tout simplement gagner l'esprit du jeu. Aline va nous rejoindre pour une petite interview directe. Donc bienvenue sur Sport en France, Aline. Est-ce que tu peux nous débriefer un petit peu ce match, sachant que bon, l'entame de match a été plutôt facile et puis je trouve que les Jets ont amené une bonne opposition en fin de match. C'est une équipe de petites jeunes qui courent pas mal et qui y croient depuis le début du championnat, depuis quelques années. On les retrouve en fin de le dimanche à chaque fois et ça fait plaisir. Nous on est un petit effectif et je pense que physiquement on a un petit peu souffert en fin de match, donc on a perdu des disques, on s'est fait avoir par quelques soufflantes de vent. Bon, ça a fait durer le match et j'espère le plaisir pour la télé. Est-ce que stratégiquement tu peux nous décrire un petit peu quelles ont été vos forces, vos faiblesses et comment vous avez réussi cette belle entame de match? Nous, notre défense, c'est de compacter l'équipe adverse au milieu du terrain, de les empêcher de venir chercher le disque et les forcer à tirer. Malgré ça, elles nous ont quand même devancé sur la deuxième partie de match dans ce secteur-là. Donc on va essayer de régler ça pour la finale. Après, nous, on a un jeu d'attaque assez rapide et des connexions. On joue depuis des dizaines d'années ensemble et je pense que la différence se fait aussi à ce niveau-là. Ouais. Moi, j'avais observé aussi que lorsque le frisbee était proche de leur zone d'en-but, vous cherchiez à tout simplement vous mettre en face pour empêcher le frisbee d'avancer. Et puis après, de mettre une force, tu peux me confirmer ça quand même? Ouais, on force, on a une défense hybride, on change au milieu du terrain la force en défense. Donc, ça gêne pas mal les équipes jeunes. Voilà, on a souligné aussi que l'ambition, bah, c'était peut-être un petit peu la semaine prochaine. On est sûr d'avoir une médaille ce week-end, donc c'est cool. On se la souhaite la plus dorée possible, mais une médaille d'or la semaine prochaine sur le championnat d'Europe, ce serait cool. Voilà, bah, écoutez, bonne préparation pour la finale, et puis à tout à l'heure. Merci. Voilà, merci Ludovic et merci à Aline Mondio. Nous, on va regarder quelques belles images, quelques highlights de cette demi-finale féminine. Vous le voyez, les deux équipes masculines qui vont disputer la demi-finale Open sont à l'échauffement. On les retrouvera donc dans une poignée de 2 minutes, les Ray Flying Oysters et les Frizzlies de Versailles. Highlights, une courte pause et on se retrouve sur la plage de la Grande Conche à Royan.